Et voilà, bonjour, bonsoir, c'est Flo de Beauty and Brands Girls. Ok, so on a continué avec la deuxième partie de leçon. Objectif leçon, ça, c'est pour nous avoir plus challenge, pour nous pousser au MP et puis exposer avec vocabulaire académique. Yo. Comme nous toujours dit, nous faisons leçon science, ça, objectif, nous, c'est pas pour nous montrer aux sciences, mais c'est pour montrer aux anglais. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant le muscular system, là. Ou qu'a fait recherche pour qu'a joindre information ça yo. Alright. So là, nous gagnons leçon côté que nous pour parler de muscular system ou pour li et pour pour le qui ça on a parlé de muscular system là, on a parlé de système musculaire. OK? Côté n'a parlé en bon genre la vie encore qui j'en nous servi, qui j'en yo aidé nous contracter. OK? Qui ça muscle ça yo yé, à qui ça yo fait? Nous pour parler des fibres. OK, nous pour parler des cells, cellules, OK? Et puis nous pour parler qui genre muscles yo même yo fonctionner. Nous pour parler tout des qui genre une série de muscles yo volontaire, ça veut dire nous ca fait action et nous ca dit quoi nous qui ça nous voulait faire avec yo. Nous pour parler mais quelques mots nous besoin pour attraper dans le sens ça, montant pour provide, relax, volunteer. Stretch, fiber, threads, skinny cells, contracts, consumes. OK, consume c'est les le manger ou consume manger, OK? Digest, muscles. Ça c'est vocabulaire qui lou nous besoin exposer avec yo non seulement boyo mais qu'on y a ou pour li yo pour wè yo ki jan yo appliquer yo dans phrase. OK? Ou pour le muscle yo qui fonctionne yo, qui type de muscle nous gagnons? Qui est-ce qui volunteer et puis qui est-ce qui involuntary? Involuntary c'est muscle, son c'est des mouvements nous pas gagner contrôle. Par exemple, n'a manger votre nous bouillir, est-ce que nous gagne contrôle sur lui? Non. Muscle qui n'a que nous qui n'a pas les cardiac muscles. Est-ce que nous gagne contrôle sur lui? Non. Nous pas gagne contrôle, nous pas dire qu'il est que nous pour battre. Imaginez aussi c'est nous même qui t'a dit que nous pour battre. Nous t'a mouri parce que gende parfois nous t'a blié son muscle ça yo involontaire, involuntary ça veut dire yo move avec association des nervous system là etc. OK, so là nous pour parler autour des bon yo move dans une façon qui involuntaire. Et puis nous pour parler autour de quelques vocabulaires nous besoin pour suivre encore muscle sa yo involuntaire. Oui, par exemple, le ou gen règle, ok, muscle yo edo contracté, lo a pousse petit tout muscle sa yo edo contracté ou pa gen contrôle sou yo. Motan kou squeezes, heart pumps, involuntary, cardiac, tout mo sa yo nou bezon expose ou avec yo pou ka konen yo, le ou apli fè lektu la. Smooth muscles, smooth vle di souple, ok? And then located c'est location, hollow organs nta souti m'a montre non vidéo si nous gétan pour nous kawe ki sa hollow organs yo trip nous c'est en forme de hollow organs so yon se de la nous dit hollow c'est un organe qui gen espace là dedans hollow. OK, yon tube par exemple yon série de doum change la tibonite qu'on mettait du riz dans doum yo parfois les maman c'est mon grande des dunes qu'on visiter grande des dunes avec moi quoi peut-être yon ou deux fois mal là les nous aller nous connons série de doum ça yo en dedans yo hollow ça veut dire gain espace là dedans yo. OK, et puis tout nous gain mot tant que lungs tout mot ça yo moi besoin pour exposer avec expose you. I want to expose you to them. So that way pour ka utiliser. OK, so kounye, ou pour aller li faire lecture là pour moun ki sou Zoom yo, c'est là pour faire lecture pour ka wè ki jan nou utiliser phrase sa yo et gen succès avec yo. Et voilà, bonjour, bonsoir, c'est Flo de Beauty and Brands Girls. Dans vidéo ça, nous pral gen deux types d'activités. Yon pour groupe cap avancer yo et puis yon pou groupe k'ap développer yo, advancing and developing. Objectif leçon sa yo c'est pour k'ap bay tout moun nan class la yon chance pour yo parler
gen moun ka bezwen plis support, gen moun ka bezwen photo, gen moun ka bezwen vocabulaire. Konn sa tout gen moun, n'ap tout simplement bal yon lecture pou l'ka li, epi li menm avèk lèt de lecture sa, li pou l'ka pale, aprann vocabulaire akademik. E menm moun ki nan group ki kap devlope yo, y'ap expose avèk vocabulaire akademik sa yo, e y'ap bénéficier tout le moun ki plis avanse yo ap pale. So sa vle di ke, nou tout ap apren ansanm. Ok, nou pou al utilize foto sa ke wap gade la, ok, ki gen yon foto, ok, yon jen kap nage, ok, la fe natasyon, la ou el gen proteksyon, ok, li gen so de mouvman la fe avèk men li, e pwi nou gen kek vokabuler ke wap ka utilize pou ka pale anglè. Yon nan vokabuler sa yo, se Saturday, pool, swim, boy. Yon bagay mwen vle di ou, se ke os Etazini, le samdi, ou bien vendredi après-midi ti moun yo konn pran yon seri de cours natation. C'est pas jou sa yo seulement non, mais weekend lamp soupit souvent et puis nan weekdays tou yo konn pran natation ou bien c'est pas natation gen wap pran karaté et cetera. Sa yo on aprele yo extracurricular activities, activité ki yo fè après l'école. OK? So la c'est peut-être ça ka passe ti garçon. Na, nou bon langaj sa yo, se pa pou prete pa nou yo, men konsa tou ka prete vokabulaire tankou swim, nou gen la pou ka we, tankou boy, tankou pool, tankou Saturday, pou ka kre yon sot de histoire pou ka di ki sa ka pase nan foto an la. Yon lot tip, yon lot tip pou nou bezon ba ou anko, se ke lop kre histoire la, asre bien ke ou gen yon moun in mind, a person, ki action ou ka fait. So you have person, action, place, when is it happening? Sa yo important pou repon le wap pale anglais, parce pou kembe nan tèt ou wap pale anglais. Ok? The person, who, action, ki sa ka fait, place, ki kote yo ye, et puis what is happening, ki sa ka passe. Ok? So la li extrêmement important pou utilize pour utiliser phrase ça yo et nous encourager tout sou pa vle parler tout suite ou ka écrit de ça OK ou ka écrit en phrase de ça et puis ou même le ou en mute pour parler anglais ou ka formuler phrase an pi bien parce que ou getan gen en écrit et puis moi même tout le m'a bon feedback sou gen en écrit m'a ka bon feedback pi bien OK imagine ou dit ou dit et puis me corriger ou dit c'est pas ça me dit non flow mais sou ekri au moins ou ka wè so ekri an et les bon feedback là ou ka corriger encore moins encourager ou utiliser vocabulaire sa yo pour ka parler anglais et puis écrit phrase là si ou vle moins encourager pour faire yon lot de activité encore nous pral ba ou côté ou bien plus support pour parler anglais c'est deux mots sa yo te moi si m ka réduit c'est deux mots sa nous vle pour utiliser dans une phrase pour nous on nous zoom pour ka wè pi bien. Premier mot c'est him. OK? M'a utiliser mot him là dans une phrase pour parce que parfois nous kon utiliser pronoun yo et là nous mettez dans phrase là yo pas en côté au supposé. Yeah. OK. On nous les phrases là pour ka wè ki jan nous utiliser him dans une phrase. This is Jim. We can see him sing and sing. OK, ça c'est Jim nous ka wè li ap chanter et chanter. Okay, we can see him. Okay, sing and sing and sing. Okay, yon lot fason ka utilize mo him lan se the Tim zoom pou ka repi bien. This is Tim. His little dog likes to run with him. Wè ki jan him lan li plase with him. This is Tim. His little dog likes. Okay, likes. To run with him. We more likes lan, we verb lan, se present tense, ok? An nou utilize phrase mou anko, him, nan yon phrase. This is Kim. She has a bird. She likes to sing with him. Now, m toujou di bird se it, but la, yo personifie zo a zo an, yo di son garçon, with him. An nou li hem la encore, an nou utilize hem nan yon phrase encore. Jim likes to swim. Kim and Tim likes to swim with him. OK? With him. So la, ouwe ki jan nou utilize yon phrase. An nou li yon deuxième encore.
Most I'm besoin pour utiliser hein c'est will, OK? What will this girl do? She will jump. Qui ça ti fi ça pour le faire? Li pour le voler. What will this girl do? She will jump. On nous utilise will dans une phrase encore, mais dans une phrase là, là nous gagne deux fois. OK? What will this boy do? He will ride his bike. On nous utilise will encore dans une phrase, ou carré deux fois dans chaque phrase. Yo. What will this girl do? She will go down the slide. OK? She's going down. Ooh, down. OK? So, what will this girl do? She will swing. That's what she will do. What will the police do? They will help us. They will help keep us safe. Safe. OK, so moi souhaiter nous utiliser phrase ça yo en une phrase.